Non, parce que maman l'a expliqué à Calice que c'est un très grand... Alors, attends, on va l'expliquer s'il le faut. Maman l'a dit à Calice que c'est un très grand garçon et qu'on arrête de donner le sein à Calice. On peut jouer avec des jouets, faire... Pour arrêter l'allaitement, tu détournes l'attention sur autre chose. T'essayes de lui faire oublier là. Le fait qu'il soit en contact avec moi, le fait que je sois assise, je suis une proie facile, en fait. Il peut venir et prendre. Quand je suis debout, je suis en mouvement, c'est moins intense ses besoins, t'as vu ? Donc là, du coup, je l'ai vu s'asseoir en réclamant, en tirant le t-shirt et tout, mais je passe un petit moment avec eux. Puis tout à l'heure, je suis désolée aujourd'hui, mais peut-être que c'est une journée un peu off, parce que bah, tu profites et tout. De toute façon, toujours après une journée euphorique, il y a une journée un peu calme, parce que je reprends des forces, quoi. Donc après, tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Et après, il faut les remettre dedans. Allez, prends, remets dedans. Allez, mets-les dedans. Tiens. Chérie, je t'explique. Je m'appelle Poupette, bien évidemment. Je t'explique pourquoi j'ai mis Poupée, parce que beaucoup de poupettes n'ont pas... Un bonbon, il y a pour mon bébé. Beaucoup de poupettes n'ont pas compris pourquoi j'ai mis Poupée. En fait, Poupée, c'est mon ancien pseudonyme. Poupée, c'est à l'époque où j'étais heureuse. J'étais bien dans ma vie, j'étais bien dans mon couple. J'étais bien, quoi. J'étais bien dans ma vie quand je m'appelais Poupée.